Bonjour le Globe Reporter, voici notre moto-taxi Soumaïla et moi-même prête à partir en reportage dans les quartiers de Wayalguin à l'est de Ouaga. Aujourd'hui, nous allons visiter l'école de foot la plus ancienne de Burkina, la Planet Academy Foot International. Elle est dirigée par deux joueurs internationaux, Pitroipa et Alain Touré, qui jouent aussi avec la sélection nationale de ses talons. Et nous ne sommes pas toutes seules aujourd'hui. Maxime Soukmoré, jeune joueur et ancien élève de cette école, nous accompagne. J'ai appris beaucoup de choses ici. Et je sais que, quel que soit mon niveau là où je vais arriver, je sais que ce terrain m'a apporté beaucoup de choses. C'est que c'est grâce aussi à ce terrain que j'ai appris beaucoup de choses à travers les dirigeants qui sont ici. Et donc, je dois beaucoup à ce terrain. À l'entrée de l'école, nous passons devant les dortoirs pour les élèves internes. Nous continuons à marcher et voilà. Nous arrivons au terrain où de nombreux enfants et des jeunes s'entraînent. Abdoul Jira, entraîneur, nous reçoit. C'est une séance par jour, mais on s'entraîne 5 fois par semaine. Alors, c'est-à-dire que du lundi jusqu'au vendredi, on s'entraîne. Et souvent, on peut sauter un jour en cours de semaine. Mais dans ce cas-là, souvent, on rattrape sur un samedi, bien souvent le dimanche où il y a match. Mais c'est en moyenne 5 séances par la semaine, une séance par jour. Et voilà déjà 2 heures que nous regardons les futurs rois de ballon. Le soleil commence à décliner, nous saluons les futures étoiles de football burkinabé qui en terminent avec la session d'entraînement de jour. Nous remercions Maxime et nous rentrons dans notre quartier de Wentenga. À bientôt les Globe Reporters.